Yeah.
et Satan, c'est-à-dire ouvre toi. Le Seigneur Jésus a fait entendre les sourds et parler les muets. Qu'il vous donne d'écouter sa parole et de proclamer la foi pour la louange et la gloire de Dieu le Père. Dieu a voulu se servir de l'eau pour donner sa vie aux croyants, pour l'eau vers lui, notre cœur, et prions qu'il fasse naître ses enfants à la vie éternelle par l'eau et l'Esprit Saint. Donc, vous allez répondre, béni sois-tu, Seigneur. Père, infiniment bon. Tu as fait jaillir à nous la vie nouvelle des enfants de Dieu au jour de notre baptême. Béni sois-tu, Seigneur. Tu rassembles en ton Fils Jésus, Jésus-Christ, tous ceux qui sont baptisés dans l'eau et l'Esprit Saint pour qu'ils deviennent un seul peuple. Béni sois-tu, Seigneur. Tu revends ton esprit d'amour dans nos cœurs pour nous rendre libres et nous faire goûter à la paix de ton royaume. Béni sois-tu, Seigneur. Pour nous choisir et baptiser pour avancer parmi toutes les nations l'évangile du Christ. Béni sois-tu, Seigneur. C'est toi qui appelles Jéziel, Eliakim, Jéli et puis Apiles. Aujourd'hui, présenté au baptême dans la foi de l'Église. Béni sois-tu, Seigneur. Daigne maintenant bénir cette eau où ils vont renaître de l'Esprit Saint pour vivre à la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons maintenant professer notre foi. Maintenant, je m'adresse à vous, parents, parrains et marraines. Par le sacrement de baptême, les enfants que vous présentez vont recevoir de l'amour de Dieu une vie nouvelle. Ils vont naître de l'eau et de l'Esprit Saint. Cette vie de Dieu rencontrera bien des obstacles. Pour lutter contre le péché, pour grandir dans la foi, ils auront besoin de vous. Si donc vous êtes conduits par la foi, et si vous prenez la responsabilité de les aider, je vous invite aujourd'hui, en vous rappelant votre baptême, renoncez-vous à toutes ces œuvres. Renoncez-vous à toutes ces séductions. Croyez-vous en Dieu, le Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité dans tous les morts et qui est assis à la droite du Père. Oui. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Oui. Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église et nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen.
Eliakim soit baptisé dans cette foi de l'Église que tous ensemble nous venons d'espérer. Eliakim, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Eliakim, Jeziel, Jerry et puis Happiness, vous êtes une création nouvelle dans le Christ. Vous avez le vêtu de Christ. Ce vêtement blanc en est le signe que vos parents et amis vous aident par leur parole et leur exemple à garder intacte la dignité de Christ Dieu pour la vie éternelle. Amen. Avancez. Le bimoutamolaï.
Recevez la lumière de Christ. C'est à vos parents, parents et marraines, que cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir pour cet enfant, illuminé par le Christ, avance dans la vie en enfant de lumière et demeure fidèle à la foi de leur baptême. Ainsi, quand le Seigneur viendra, ils pourront aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints du ciel. Amen. Amen. On peut acclamer pour eux. On va prendre un temps dans le jeu de grâce. Pendant ce temps, on va maintenant retourner à nos grâces. Aleluya.
Thank you.
voy à t'aider. Après, tu as placé mon boulet dans l'église. Oui. Viens, c'est moi, viens. Il y a quelqu'un qui n'a pas de vin.